I will bless the Lord and give Him the glory. Oh, I will bless His name, His name, and give Him, and give Him, and give Him glory. Oh, I will bless the Lord and give him glory. Your name Que ma vie te loue, que ma vie te célèbre, que ma vie te rende gloire. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur, en l'honneur de ta majesté. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom, proclame ta louange. Oh, 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 oh. C'est la prière d'un véritable adorateur, désireux de te révéler, de te glorifier, de te sanctifier. Ah oui, bless, ah oui, bless your name. My life, bless your name, lift up your name. I say, oh, I will praise your name and give the glory. Shakara ya rari ma barasaya. It's our prayer, c'est notre prière. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom, je te prie, fais de moi un instrument, fais de moi.
Oh, je te prie, un instrument. Je te prie, un instrument d'adoration. Père, je lève les mains en ton nom. Fais de moi un instrument. Un vase consacré, un instrument d'obéissance, un instrument d'adoration, sacrifice, un sacrifice vivant. Je lève, c'est un signe d'abandon. Je lève les mains. Ah, ma mère, je te prie, tel que je suis, accepte-moi. Fais de moi un instrument. Père, un instrument d'adoration. Je lève les mains en ton nom. Fais de moi un instrument pur. Fais-moi l'adoration, Père. Aïe, 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 palaya ra sakata la mari rebo. Aïe rebo sakata ya ra masaya. Oye kata ya rebo saya. Fais-moi, 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 fais-moi. Aïe carré de la mari. Père, je le je te chanterai, je te chanterai toujours un chant d'amour, un chant d'amour, je lève les mains en que ma vie soit une mélodie, que de ma vie sort un son, une mélodie en l'honneur de mon roi, un cantique en l'honneur de mon rédempteur, un cantique pour mon sauveur, et un cantique pour mon sauveur, pour mon rédempteur. Je lève les mains en ton nom. Aide-moi. Aide-moi toujours te chanter. Pas chanter en parole, mais chanter en action. Chanter en comportement, chanter en témoignage. Je lève les mains en ton nom. Abba Père, je te chanterai toujours. Je te chanterai toujours un chant d'amour, pas d'adoration. Je lève les mains en ton nom. Je lève les mains. Je lève les mains, je lève les mains, comme un sacrifice vivant. Fais de moi un vase d'obéissance et d'adoration. Je lève, aïe 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 aïe. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je lève les mains. Je lève les mains. Je lève les mains. Je lève, je lève, je lève, je lève les mains. Aïe, rama, aïe, les katayama. Envoie ton feu, agré le sacrifice. Je lève les mains. Je lève les mains.
babaya. En ton nom, je lève les mains, je lève les mains, je lève, je lève, je lève les mains. Ne me laisse pas où je suis, ne me laisse pas comme je suis là. Envoie ton feu. Il consume moi, transforme le vase que je suis. Un instrument d'obéissance. Montre ce que tu es capable de faire. Avec un vase consacré, avec un vase sanctifié, avec un obéissant. Comme je suis, mais ne me laisse pas où je suis, ne me laisse pas comme je suis. Père, je le fais les mains, je les mains, ça y est, Maria 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 Maria. Suscite un peuple consacré, circoncis le cœur. Ah, 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 ya la mama, chaka la mama. Ah, parlez de l'éma. Suscite un peuple, prends le pouvoir. Dans la vie de ce peuple, prends le pouvoir. Façonne ses vies. Fais-les resplendir. Ah, ya la mama. Montre ce que tu es capable de faire. Oh, tes mains d'un peuple obéissant. Les mains, je lève les mains, je lève les mains, en ton nom, ça y allait, les mains, je lève les mains, je lève les mains, c'est bien la Marie, la Marie, les je lève les mains, je lève les mains en ton nom. Je les parabama, la bataille, les mains. Je lève les mains en ton nom. En ton nom. Pour des multitudes, c'est un chant. Pour nous, ce n'est pas une chanson. Pour nous, c'est l'expression d'un cœur désireux de s'offrir comme un sacrifice. Et de ne pas seulement faire de toi son sauveur, non. Non. Mais pour nous, lever les mains, s'abandonner, c'est pour ceux qui ont décidé de faire de toi, Jésus, Seigneur, le maître, le propriétaire, le seul qui sera entendu, le seul qui sera obéi, le seul qui sera glorifié, le seul qui sera couronné, le seul qui sera constaté, le seul qui sera attesté, le seul qui sera certifié, le seul qui sera couronné, le seul qui sera adulé, le seul qui sera admiré, le seul qui sera proclamé, le seul qui sera publié.
publié parmi les nations. On parlera de toi à travers moi dans ma génération. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. On verra le résultat de l'obéissance. Amen, amen. Chayaré les malades. Ma génération verra la différence en ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas, en ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen, 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 amen. Chez Araba, Yekaraba, Yerebasa, viens réveiller les disciples, viens réveiller ceux qui ont décidé de t'obéir. Viens réveiller ceux qui ont décidé que tu seras leur Seigneur. Amen. Tu seras le maître. Amen. Tu seras le propriétaire. Kurios, le propriétaire légitime. Adonai, amen, amen. Amen. Viens bâtir ses bras. Shekarana. Tu seras visible dans notre époque. Comme jamais auparavant. Amen. Parce que la parole déclare que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. L'éclat de la dernière maison, l'éclat du dernier temple, l'éclat de la dernière église sera plus glorieux que l'éclat de l'église apostolique. Parce qu'il ne va pas de régression en régression, il va de progrès en progrès, il va de gloire en gloire. Nous rendons grâce à Dieu pour l'église primitive, mais le Saint-Esprit me dit, je ne comptais pas m'arrêter à eux, je ne comptais pas m'arrêter là, je comptais aller plus loin avec cette génération. Tu feras plus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Tu feras plus. Réveille. Réveille. Un peuple qui cesse de tanguer des deux côtés. Réveille ce peuple qui cesse d'être des étichus. Un pied dedans, un pied dehors. Le dos dedans, une partie du dos dehors. Réveille le peuple des obéissants. Ceux qui disent, jusqu'à quand pencherez-vous des deux côtés? Faites un choix. Mais laissez-moi vous dire, moi et ma maison, quant à nous, nous avons choisi de servir, d'obéir, d'obéir. Saïe le sers-toi de nous pour enseigner la sagesse infiniment variée de Dieu à toute la création et au monde angélique. Merci Père d'avoir conduit nos pas dans ce lieu, de nous avoir connectés sur cette fréquence Saint-Esprit FM en direct sur Internet et en présentiel. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, Saint-Esprit. Délivre-nous de la folie, de la séduction, du péché, du mensonge. Ramène-nous à la vérité, ramène-nous à la sainteté, ramène-nous à ton éternité avec toi. Nous t'implorons, nous te supplions. Fais infiniment au-delà de nos prières par ta puissance qui agit en nous. Dans le nom de Jésus le Christ. Bon, ainsi prier avec action de grâce. Amen. Amen.
moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Salut encore ton voisin qui est à côté de toi. Bienvenue à vous qui êtes connectés avec nous. On est ravis de vous avoir chaque dimanche encore en communion, connectés sur Internet. Dieu vous bénisse. On est une famille. Avant de vous asseoir, j'ai trois annonces importantes à vous faire. J'ai trois annonces importantes. La première, c'est que Impact Finance d'abord, dont vous avez vu les annonces, s'adresse à toutes les personnes. Ça ne s'adresse pas aux pixous, aux cupides, aux voraces, aux mendiants, aux voleurs. Non, non, c'est vraiment pour ceux qui ont à cœur d'être des instruments entre les mains de Dieu, de devenir riches pour Dieu, riches pour être des promoteurs, pour être généreux, pour être des contributeurs, pour être des sources de bénédiction dans leur époque, dans leur environnement. Ceux qui ont envie de devenir riches pour faire le bien, pour aimer en action et en vérité, pas seulement avec les paroles, qui veulent envoyer des gens à l'école. Ouais. Ils veulent payer des soins médicaux pour des multitudes. Si ton désir d'être riche, ce n'est pas pour ça, Dieu n'est pas avec toi. C'est Satan, maman qui est avec toi. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans cette motivation. C'est juste pour accumuler, ça n'intéresse personne. Et la vanité, c'est que ce que tu auras amassé de toutes les manières, ça ne te rendra pas heureux. Et quand tu partiras, ça sera dilapidé. Sauf si tu fais un don à Impact Centre Chrétien. Waouh! J'ai dit waouh! Donc, il y a déjà environ 400 inscriptions. Et si tu attends la dernière minute, il est probable qu'il n'y ait plus de place. Et quand il n'y aura plus de place, on va clôturer, on va fermer. Parce qu'il faut que ça reste agréable et vivable. Amen. Donc, je vous invite à vous inscrire. Je voulais deuxièmement vous annoncer que cette année, c'est une année vraiment charnière pour nous. C'est une année, le début mars, je vais vous montrer les vidéos, avec mon épouse, on va vous montrer les vidéos de travaux qui ont commencé dans notre, j'appelle ça l'hôtel de Dieu. Je vous donnerai le nom. Ce site est un site pour lequel Dieu nous a donné le nom par révélation. Il nous a donné le nom de chaque salle par révélation. C'est impossible que Dieu te donne le nom et tout le reste sans te donner la provision. C'est impossible. Et voilà pourquoi on est confiant. Mais cette année, nous avons la conviction au niveau du conseil pastoral et on va en débattre pendant la rencontre avec les stars que nous aurons le 21 février prochain. Mais c'est uniquement les stars et les aides. Si tu n'es pas star, aide ne vient pas. De toute façon, si tu viens, pas bloqué. Non, pas fire. Pas fire quand même. Fire, c'est sur les démons, c'est pas sur le frère et la soeur. Et donc, on va en débattre. Mais on a la conviction vraiment de maximiser nos ressources financières. Vous savez, Impact Conférence, les 5 jours ne coûtent plus de 500 000 euros à organiser. C'est un défi de foi. C'est un vrai défi. Les gens ne se rendent pas compte. Mais on croit que cette année-là, on ne fait aucun événement à l'extérieur. On va maximiser. On va faire des offrandes. Beaucoup même. Enfin, si tu ne veux pas donner, tu ne donneras pas. Nous, on va donner. Amen. Il n'y a jamais une offrande de notre Sabien qui sera obligatoire. Jamais. L'offrande, c'est ton cœur qui donne. Sans contrainte ni regret. Ne donne jamais pour dire on m'a volé. Jamais. On ne t'a pas obligé à donner. Nous, on donne avec joie. La Bible dit celui qui donne, donne avec joie. Sans contrainte ni regret. Et on sait. Et tu sais pourquoi on continue de donner chaque jour, chaque semaine, chaque mois? C'est parce qu'on constate que plus on donne, plus on est content. Et plus on donne, plus Dieu pourvoit. Et on ne manque de rien. Dis amen. Faut enregistrer ce que je dis. Jamais on a obligé quelqu'un à donner. Si tu te sens contraint, si tu te sens sous pression, ne donne pas. Nous on donnera. Mais donc je disais, pour un pas de conférence, c'est 500 000 euros. Et, on a la... et ces 500 000 euros là, je vous expliquerai en début mars que c'est la somme qu'il va falloir qu'on lève par la foi tous les mois. Au moins, c'est le minimum. Mais, vous savez, je suis tellement confiant. Quand Dieu a parlé, je suis tellement confiant. Je suis confiant, je suis excité. S'il y en a qui, je dirais, faille, hein, ce sont les banquiers. Parce qu'ils disent, notre projet est trop grand, trop ambitieux. Mais c'est une église. On ne peut pas financer une église parce que s'ils ne payent pas, nous on ne paye pas, on n'a jamais eu de dette.
qui va pas. Mais comme ils ont dit, ils veulent pas. En fait, ils veulent pas. Ils veulent rien avoir avec les églises. Ils veulent seulement les affaires. Nous on dit c'est pas grave. Dieu est notre banquier. Dieu va le faire. Dieu est notre banquier. Waouh. Et donc, on n'a pas envie de dépenser 500 000 euros comme ça. Donc, on n'aura pas un pas de conférence 2018 cette année. Parce que notre challenge, c'est d'organiser. Mais t'inquiète pas, cette année, on va être bien enrichi. Mais on aura séminaire avec Pasteur Cambiri, on aura la conférence des jeunes, on aura Impact Finance. Je vais venir à la troisième annonce, l'autre annonce. Et on aura la conférence des femmes, Kaïl, etc. Donc, on aura plusieurs plateformes d'édification. Et on n'a pas la condition de faire un pas de conférence. Et il faut que notre prochain impact de conférence 2019 se passe chez nous. C'est ça le défi. Un cycle énorme. Il y a 15 000 mètres carrés de surface. C'est ça, mes bien. 15 000 mètres carrés de surface. Je sais pas, tu n'as même pas idée à la quoi ça. Mais rien que les bureaux, ceux qui sont venus dans les bureaux la dernière fois, ils disent, mais ça va jusqu'où? Même marché, moi je vous dis, moi il me faut des roulettes parce que c'est long, mais c'est grand et c'est immense. Waouh, magnifique. Bien-aimé, écoute-moi. Ce bâtiment n'est pas au nom de Ivan Castanet. Il est au nom de ICC. Je n'ai pas mis mon nom dedans. Je ne peux pas d'ailleurs, je n'ai pas le droit. Tu sais, en France, tu ne peux pas tricher, hein. Tu as les commissaires aux comptes, les experts comptables, ils sont très vigilants. Ils travaillent pour l'État, les commissaires aux comptes. Ils ne peuvent pas laisser faire ça. Il n'y a aucun mystère dedans. Ce n'est pas Castanou, c'est nous. C'est Impact Centre Chrétien. Les gens n'y croient pas pour beaucoup. Nous, on y croit. Mais si les banquiers viennent là, ceux qui nous ont dit, on peut pas, s'ils viennent après, quand on a fini, bon, mais est-ce que vous voulez qu'on vous prenne de l'argent? Je vais dire, caro mon chat, fire, fire! Allô? Mais je les remercierai. Je leur dirai merci d'avoir dit non. Parce que vous nous avez obligés à dépendre de Dieu. Ah, et du Saint-Esprit. Bon, donc on dira pas fire, on dira merci. Mais fire sur vos affaires là. La troisième annonce importante que je vais annoncer, c'est que cette année, le Seigneur nous a vraiment parlé. Et cette année, ça ne sera pas de la théorie. Cette année, ça sera l'année du premier rassemblement des hommes d'impact. Mais le Seigneur m'a dit de réclamer les hommes. Je bénis Dieu, il y a beaucoup de femmes merveilleuses. Mais j'ai maintenant la sainte colère sur la manière dont Satan tient les hommes en captivité dans le monde. Nous allons les appeler par la prière. Et cette année, notez, save the date, notez dans vos agendas cette année, nous allons avoir l'un des plus grands rassemblements des hommes d'impact de toutes les races, de toutes les couleurs, ici à la capitale de la francophonie. Du mardi 8 au vendredi 11 mai, matin, après-midi, soir, tous les hommes d'impact. Dieu m'a dit, il va construire une génération d'hommes intègres, des hommes visionnaires, des hommes responsables, des hommes exemplaires, des hommes modèles, des hommes consacrés, des hommes passionnés, des hommes amoureux de Jésus, des obéissants à Christ, au nom de Jésus. Nous allons les appeler. Vers le mois de mars, on va faire, mars-avril, on va faire 12 jours de jeûne. C'est ce que j'ai reçu. Et pour la conférence des jeunes, et pour la conférence des hommes. Et vous savez c'est quoi le nom de la plateforme des hommes? Les femmes ont Kaïl. Nous, ça va être Kefale. C'est la conférence Kefale. Alors, il y en a qui ne savent pas c'est quoi Kefale. Kefale, c'est le mot grec. C'est le mot grec de la tête. Le chef ou la tête, ça sera le rassemblement des têtes, mais des têtes selon le cœur de Dieu. Pas des hommes qui abusent des femmes, mais des hommes qui en prennent soin. Waouh! Chayarama! Oh, quelqu'un dit Amen! Homme d'impact, qu'il faut aller. On va t'apprendre à être un homme selon le cœur de Dieu.
Voilà, c'est ça qu'on va reproduire. Des hommes embrasés, visionnaires, excellents, conquérants, des chasseurs de démons, des hommes qui enseignent la parole à leur foyer et à leurs enfants, des hommes qui ne laissent pas la femme enseigner les enfants. Non, c'est toi-même qui dois instruire ta famille. Qu'un homme dise amen. Wow. Qu'une femme dise amen. On a trop attendu. C'est la saison. Le pasteur André me disait, ah, quand tu es chaud comme ça là, c'est que quelque chose va se passer. Je dis obligé. 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 Il faut aller avec l'amour de Dieu, la prière et la puissance et l'amour, sortir ces gens qui sont prisonniers des ténèbres, la pornographie, de l'orgueil. On va les sortir. On va leur montrer qu'on peut être excellent dans la vie. On peut éclairer sans être orgueilleux. On va leur montrer ça. Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Magnifique Esprit de Jésus, nous t'honorons, nous t'accueillons, nous te recommandons en ce moment. Instruis, inspire, délivre-nous de la folie attachée au cœur de l'enfant. Délivre-nous des mensonges du diable, du séducteur, du tentateur. Ramène-nous sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de l'éternité. Fais-le infiniment au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons par ta puissance, Père, qui agit en nous. Au nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Vous asseoir dans sa présence et acclame, 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 acclame. Alléluia. Dis à ton voisin, voisin, donne au Saint-Esprit. Dis-lui, voisin, donne au Saint-Esprit le pouvoir de transformer ta vie. C'est le titre de mon message. Donne au Saint-Esprit le pouvoir de transformer ta vie. Je sais, bien-aimé, vous savez, il y a des paroles, des messages, des sermons que la chair n'a pas envie d'entendre. Parce que la chair travaille en collaboration avec le diable. Mais que ton esprit a envie d'entendre et ton âme a besoin d'entendre. Parce que c'est la parole qui te met devant la vérité. Tu voudrais qu'on te dise certaines choses, mais la vérité, c'est qu'on doit te dire la vérité. Et Paul dit qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. On ne peut pas combattre la vérité. Et la parole que le Seigneur me donne encore ce matin, pour continuer celui de la semaine dernière, elle va être comme un miroir qui te met juste devant la vérité et qui te permet de mesurer où est-ce que tu en es. Est-ce que quelqu'un me suit? On a dit, il est une chose qui rend nos prières inefficaces. Et cette chose se résume à un seul mot, qui est celui de la désobéissance. Mais la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y a une chose. Il est une chose que le diable redoute. Le diable redoute le plus à ton sujet et à mon sujet. Et on a vu que cette chose, le diable ne redoute pas, il ne craint pas, il n'est pas terrifié par le nom de ton église, par le nom de ton pasteur, par ton nom de famille. Quand même tu serais le chef de l'État, il n'en a rien à faire. Quand même tu serais le fils du chef de l'État, il n'en a rien à faire. Le diable n'est pas, c'est un esprit. Donc il ne craint pas les agents secrets, les services secrets. Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable n'est pas
effrayé ou angoissé parce que tu es né de nouveau. Il est navré, il est désolé, il n'est même pas effrayé de ce que tu pries. Puisque certaines prières que tu pries sont inefficaces tant que tu n'es pas trouvé dans la désobéissance. La prière incommode le diable, c'est vrai. Mais il n'est pas effrayé si ta prière n'est pas efficace. On a vu que le diable, ce qu'il redoute le plus chez toi, c'est ton obéissance. Le diable s'inquiète lorsque tu commences à obéir au commandement, au principe, aux lois, à la parole de Dieu. Le diable commence à paniquer lorsque tu décides d'aimer même tes ennemis. Le diable commence à paniquer lorsque tu décides d'honorer ton père et ta mère, même lorsqu'ils t'ont maltraité. Le diable commence à paniquer lorsque tu décides de pardonner aux personnes qui t'ont offensé. Le diable commence à paniquer lorsque tu décides de prier sans cesse alors qu'une voix te dit « ce n'est pas la peine de prier, ça ne marchera pas ». Mais toi, tu pries sans cesse et tu ne cèdes pas. Le diable commence à paniquer lorsque tu décides d'être fidèle, diligent, soigné dans la tâche, la responsabilité qu'on t'a confiée, même lorsque tu n'es pas payé ou lorsque tu es mal payé. Tu décides de donner la meilleure copie que tu peux donner. Là, Satan te dit, non, bague le travail. Mais lorsque tu es diligent, lorsque tu décides de respecter une loi, qu'on appelle la loi de la fidélité, le diable est sérieusement terrifié lorsque tu décides dans le mariage de faire ta part alors que ton conjoint ne fait pas sa part. C'est ça qu'il redoute. Le diable est terrifié lorsque tu décides, malgré la pression familiale et de tes soi-disant amis, qui ne sont pas des amis mais des ennemis déguisés en amis, et qui te disent de coucher avant le mariage et que toi tu dis non. Il a dit, vous serez saints car je suis saint. Je me garderai, je me maintiendrai dans la chasteté. Il dit, fais seulement un aller-retour dans le monde et tu reviens juste une seule fois. Tu dis non, j'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Je m'en détournerai pas. Là, le diable est sérieusement angoissé et inquiet. Satan est complètement terrifié lorsque tu décides, alors que hier, tu subissais les mauvaises pensées, les forteresses qui étaient en toi, de peur, d'impudicité, de dépression. Vous n'avez pas aidé le nombre de gens qui savent qu'ils sont prisonniers de systèmes de pensée qui ne reflètent pas la pensée de Christ. Vous n'avez pas aidé le nombre de gens qui savent que ces pensées-là, de découragement, d'amertume, de peur, j'ai des pensées, je sais qu'elles ne sont pas normales, mais je me laisse terroriser. Le diable est terrorisé lorsque tu en as assez de subir un état de siège dans tes pensées parce que tu sais que ce n'est pas la pensée de Christ et que tu commences à dire au nom de Jésus, je renverse les raisonnements, les forteresses de colère, d'amertume, de jalousie, de manque de pardon, d'impureté. J'en ai assez de m'excuser, j'en ai assez de chercher l'approbation des gens, j'en ai assez de me comporter comme Christ ne se comporte pas, j'en ai assez. Et au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je commence à dire, il y en a assez, soyez renversés. Forteresse, raisonnement, et je ramène mes pensées captives, prisonnières à l'obéissance à Christ. Et lorsque tu commences à dire, toi esprit démoniaque qui se cache derrière cette pensée, j'en ai assez de la subir, je viens contre toi désormais. Satan dit, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il a peur. Pourquoi? Il a peur parce que là, tu as engagé sérieusement sur le chemin de l'obéissance, c'est-à-dire de la mise en pratique de la parole de Dieu. Là, tu commences à l'effrayer. Et il va tout faire pour te dissuader. Non, c'est bon, arrête. Il va tout faire pour nous empêcher, toi et moi, d'obéir à Dieu. Il échouera au nom de Jésus. Alors, nous avons dit que ton obéissance basée sur Romains 6, verset 16, Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. On a dit que dans tous les cas, le monde invisible contrôle le monde visible. Les êtres invisibles contrôlent les êtres visibles. Donc, chacun de nous est un esclave, chacun de nous obéit à quelqu'un, à un esprit.
Est-ce que quelqu'un me suit? Ne savez-vous pas qu'on vous livrera à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Donc on a dit à partir de cela que ton obéissance révèle qui est ton Seigneur aujourd'hui. Ton obéissance aujourd'hui révèle ton Seigneur aujourd'hui. Peut-être que toi tu voudrais que Jésus soit ton Seigneur formidable. Et c'est la raison pour laquelle tu l'appelles « oh Seigneur Jésus, oh Seigneur ». C'est magnifique. Mais il m'a dit de te dire que la réalité est que tant que ce n'est pas à lui que tu obéis aujourd'hui, il n'est pas ton Seigneur aujourd'hui. Peut-être que demain il le sera, mais tant que tu ne l'obéis pas aujourd'hui, il n'est pas le Seigneur aujourd'hui. Pas ton Seigneur aujourd'hui. Demain, mais aujourd'hui, si ce n'est pas à lui que tu obéis, il n'est pas toi. C'est dur cette parole. Ta chair n'a pas envie de la vérité. Elle veut te faire vivre dans le mensonge. Mais, est-ce que quelqu'un me suit? Alors j'entends quelqu'un objecter, dire, oh non, pasteur Ivan, parce que, non, il y a quand même un domaine au moins où j'obéis. D'accord, alors, l'impudicité, c'est vrai. Masturbation, c'est vrai. Colère, je reconnais. Jalousie, la calomnie, ok, d'accord, là, peut-être pas Jésus, mais quand même, je donne la dîme et les offrandes. Il y a au moins un domaine dans lequel j'obéis. Et c'est là que quelqu'un, un pasteur, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, je l'ai lu sur Internet, j'ai trouvé ça très bien. C'est là que quelqu'un, un pasteur a dit très justement, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. C'est ça. L'obéissance partielle, c'est de la désobéissance. L'obéissance sélective, c'est de la désobéissance. L'obéissance différée, c'est de la désobéissance. Wow. Jésus lui-même l'a dit en ces termes. Matthieu 6, verset 24, il dit, nul ne peut servir de maître. Nul ne peut avoir, le mot maître ici, c'est le mot grec kurios, K-U-R-I-O-S. C'est le même mot que Seigneur. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, nul ne peut avoir deux seigneurs, c'est impossible, il n'y en a que un. Ton Seigneur, c'est celui à qui tu obéis. Et on ne peut pas obéir à deux seigneurs en même temps. Si ton obéissance est sélective ou elle est partielle, Dieu l'appelle de la désobéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est terrible. Hein? Quand je pense à ça, j'ai dit, hey, ton maître ou ton seigneur, ce n'est pas celui que tu pries, c'est celui à qui tu obéis. Aïe, ça fait mal. Et pourtant, c'est ça. C'est à cause de ça que Jésus dit dans Romains 6, qu'on a lu la dernière fois, Romains 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Si tu ne fais pas ce que je dis, ne m'appelle pas Seigneur. Waouh. Votre ton Seigneur, c'est celui à qui tu obéis. Waouh. Oh Seigneur, sois mon seul Seigneur. Ne laisse personne d'autre être mon maître, mon Seigneur. Personne n'a fait pour moi ce que tu as fait. Quelqu'un dit amen. Alors toujours dans Romains 6 au verset 16. Romains 6 au verset 16. Ne savez-vous pas qu'on vous livre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. On a dit, il y a une deuxième vérité dans ce texte, c'est que celui à qui tu obéis détermine celui à qui tu donnes le pouvoir ou tu donnes autorité sur ta vie pour façonner ta vie et insérer dans ton futur et dans celui de ta postérité des projets, des agendas, des projets bienveillants ou malveillants selon la nature de celui à qui tu donnes ce pouvoir ou cette autorité dans ta vie. Celui à qui tu obéis détermine ou révèle celui à qui tu donnes le pouvoir, celui à qui tu donnes la main. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je reviens. C'est trop important. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Ça veut dire que l'obéissance est un biais,
un moyen à travers lequel tu te livres. L'obéissance t'emmène à te livrer. L'obéissance t'emmène à t'abandonner. L'obéissance te fait donner pouvoir et autorité sur ta vie à celui à qui tu obéis. Est-ce que jusque-là c'est clair? Si c'est clair, dis amen. Quand tu as dit ça, quand on a dit ça, plusieurs, il y a des gens qui, en écoutant ça, ils disent d'accord, si c'est comme ça, j'accepte d'obéir à Dieu. Mais à Dieu seul, hein? Oui, à Dieu seul. Mais à Dieu seul, oui, à Dieu. À Dieu seul, oui. Donc il y en a, ils croient que obéir à Dieu seul, c'est obéir qu'à Dieu seul, n'avoir de compte à rendre qu'à Dieu seul, n'avoir de relation qu'avec Dieu. Je ne dois rien aux hommes, je ne dois rien à personne. Moi, c'est Dieu. Non, il y a des gens qui sont comme ça. Partout, ils passent. Non. Dieu m'a dit. Oui, mais non. Moi, c'est Dieu. C'est entre Dieu et moi seulement. Waouh. Pourquoi? Parce que les hommes, là, ils sont imparfaits. Des fois, ils abusent de toi. Des fois, ils en demandent trop. Des fois, ils peuvent te manipuler. Moi, maintenant, c'est je ne fais confiance qu'à Dieu. Si tu fais confiance qu'à Dieu, là, tout le monde dit amen. Non, là, on est d'accord. Là, tu peux dire amen. Mais dire que je ne rends compte qu'à Dieu et à personne d'autre. Tu connais des gens comme ça? Moi, il n'y a que Dieu. Hein? Si ce n'est pas Dieu, il n'y a personne. Sauf que le Dieu dont tu parles là, pour qui tu dis, moi, il n'y a que Dieu, Dieu, il te parle aussi par sa parole. Et il t'emmène dans Colossiens, chapitre 3, verset 20, et au verset 22. Donc, le Dieu dont tu parles, tu dis, moi, je ne rends compte qu'à Dieu. Il dit, bon, tu me rends compte qu'à moi, formidable. Je me suis révélé par ma parole. Viens, ma parole et moi, nous sommes un. Colossiens 3, verset 20. Enfant, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Dis amen. Ça, c'est le Dieu dont tu dis, je ne dépends que de lui. Maintenant, lui, il te dit, maintenant que tu dépends de moi, je dis amen. Maintenant, moi, je te dis une chose, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Verset 22, esclaves, obéissez en tout. Il dit en tout, hein. Esclaves. Bon, comme il n'y a pas beaucoup d'esclaves en Occident, vous ne comprenez pas. Hein? Il dit obéissez en tout. Est-ce qu'il dit ça? C'est moi, esclave, sans effet. obéissez en tout à vos maîtres terrestres et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Écoute bien ce que le Saint-Esprit va te dire ce matin. Enfants, obéissez à vos parents. Cela est agréable au Seigneur. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Et quand un enfant obéit à ses parents, Dieu dit, amen, c'est bon. Il dit, esclaves, obéissez à vos maîtres. Et quand tu vas lire 1 Pierre 2 au verset 18, 1 Pierre 2 verset 18, il dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux, mais aussi ceux qui sont d'un caractère difficile, ceux qui te maltraitent, ceux qui te parlent mal, ceux qui t'injurient, ceux qui te méprisent, ceux qui te piétinent, ceux qui t'humilient. Et il dit, enfant, même si ton père t'humilie, même si ta mère t'injurie, obéis à tes parents. Esclave, obéis. Obéissez à vos maîtres, même si les gars sont méchants, obéis. Quoi? Même s'ils me maltraitent, Dieu dit, obéis. Quand Dieu dit quelque chose, tu vois, nous le problème c'est que pour obéir, on a besoin de, oui mais, pourquoi ne pas mettre la main sur le feu là? Dans la marmite pleine d'huile là, je veux mettre ma main. Dieu dit non. Il sait pourquoi. Waouh. J'ai dit waouh. Et le même Saint-Esprit te parle à travers le livre de Hébreux, Hébreux 13 au verset 17. dis à ton voisin, suis-le, nous allons quelque part. Hé hey, les amis, quand le Saint-Esprit m'explique ces choses comme ça, il m'a expliqué ça hier. J'ai dit, hey, Seigneur, waouh, accorde-nous la grâce d'aimer la vérité. Hébreux 13, verset 17. Verset du semeur. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Là, quand je dis ça, là, quelqu'un dit, cette parole devient une parole tendancieuse, orientée. Reste calme, reste calme.
Dis à toi, reste calme. Tu vois, quand tu dis ça, tu peux déjà discerner qui a l'esprit de rébellion. Parce que quelqu'un commence déjà à bouillir. On veut m'accrocher. Je ne me laisserai pas faire. Calme-toi. Obéissez, brebis. Obéissez. Ceux qui n'obéissent pas sont les boucs, mais les brebis. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Bon, comme c'est la parole de Dieu, même si c'est pas envie, dis quand même. Amen. C'est ça. Dis encore. Amen. Tu vois, voilà ce qu'il m'a dit. De la même manière, Jean te dit que tu ne peux pas dire que j'aime Dieu que tu ne vois pas. Tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Et tu as de la haine pour ton frère, ton prochain que tu vois. Il dit, si c'est ça, tu mens. Bon, tu n'es pas un menteur, mais tu mens. Tu ne peux pas dire, oh, moi j'aime Dieu. Oh, le Seigneur. Maintenant, quand tu vois ta soeur. Chip. Non. Non, cette personne est l'image de Dieu sur la terre. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et tu es cette personne. Tu mens à toi-même. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir le nombre de gens qui sont là. Hein. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et dès qu'elle a fini de chanter, une sœur dit, ah, waouh. Je vous dis, l'église est remplie de gens, moi je dis franchement, qui auraient pu faire carrière. Pas, il y a Deauville, il y a Cannes, il y a Hollywood. On voit ton CV, si tu es comme ça là, tu as de grandes chances. Mais on va te virer, on ne te prendra pas. Parce que si Dieu ne t'agrée pas, si Dieu ne prend pas plaisir à toi, il ne dispose pas les cœurs même de tes ennemis en ta faveur. Mais je prie que tu atteignes la dimension où Dieu prend tellement plaisir en toi qu'il incline en ta faveur même tes ennemis. Au nom de Jésus. Oh, quelqu'un me dit amen, alléluia. Donc, de la même manière que tu ne peux pas dire j'aime Dieu, mais je hais les gens, tu ne peux pas dire également que j'obéis à Dieu seul. Je ne rends compte qu'à Dieu seul, mais les gens, les autorités que Dieu a établies, papa, maman, les pasteurs et tous ces gens-là, même les employeurs. Ah non, non, non. Moi, c'est Dieu seul. Là, tu es un comédien. Tu es un comédien. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que les parents, les conducteurs, les maîtres, les employeurs. Tu vois, le Colossiens 3, verset 22, où il dit, esclaves, obéissez en tout temps vos maîtres. On aurait dit des employés. Obéissez en tout temps à votre employeur. C'est ça. Si on prend ça en Occident, on dit employé, obéissez. Mais tu as dit, nous sommes des hommes têtus. Non. Et quand il le fait, aïe. Il y en a qui disent non. Dieu va te délivrer ce matin. Pourquoi tu ne peux pas dire, moi j'obéis à Dieu? Je n'obéis pas aux hommes qu'il a établis. Parce que Romains 13, verset 1 à 2, te dit que chacun, Romains 13, verset 1 à 2, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, qui nous dirigent. Car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. Voilà, c'est pourquoi celui qui s'oppose. Bien, non, 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 attends. Retour arrière, on y va. On reprend, on lit ça à haute voix tous ensemble. On lit ça à haute voix. 1, 2, 3, verset 1. Que chacun se soumette. J'ai dit tout le monde. J'ai dit tout le monde. On recommence. 1, 2, 3. On y va. Que chacun, voilà, se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi, on y va. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur. Quelqu'un dit amen. Acclame le Seigneur, c'est la parole.
Paul dit, il explique, mon gars, c'est profond. Celui qui obéit à l'autorité établie, obéit à Dieu. Car toute autorité établie ont été instituées de Dieu. Celui qui obéit à l'autorité établie, obéit à Dieu. Celui qui s'oppose à l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc, il résiste à Dieu lui-même, car Dieu et sa parole sont un. Tu ne peux pas résister à la parole du chef de l'État et dire que tu obéis au chef de l'État. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui obéit, c'est pour ça qu'il dit, enfant, obéissez à vos parents. Car cela est agréable au Seigneur. Sauf que ce que l'enfant ne sait pas, c'est que quand il obéit à ses parents, quel que soit le caractère difficile des parents, Dieu dit, enfant, obéissez à vos parents. Quel que soit le caractère difficile de ses conducteurs, Dieu dit, obéissez à vos conducteurs. Quel que soit le caractère difficile de ton employeur, Dieu dit, employés, obéissez à vos employeurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Le seul cas où tu as le droit de désobéir à l'autorité établie, employeur, papa, maman, pasteur, c'est si cette autorité te demande de désobéir à ce que Dieu a dit. Dieu t'a parlé par sa parole. Dieu a dit, allez, fais de toutes les nations des disciples. Dieu a dit de prier sans cesse. Si on te dit de ne pas prier, là tu désobéis. Si on te dit de ne pas témoigner de l'évangile, là tu désobéis. On a demandé ça aux disciples. On leur a dit, on vous interdit d'annoncer l'évangile. Là, tu dois répondre ce que Pierre a répondu. Actes chapitre 5, au verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est le seul cas où tu as le droit de désobéir. Mais si on ne te demande pas de désobéir à Dieu, et on te dit tu laves la vaisselle tous les jours, tu passes la serpillière tous les jours. Oui, mais moi je suis ingénieur en chef. Oui, mais j'ai besoin de toi pour passer la serpillière et pour faire le café tous les jours. Dieu dit, obéissez. Je perçois quelqu'un qui est en train de trembler déjà. Je n'ai pas fini encore. Quand je vais finir par la grâce de Dieu, prie que le Saint-Esprit m'inspire, tu vas comprendre pourquoi il dit ça. Je n'ai pas entendu toi, amen. Si on ne te demande pas de désobéir à Dieu, si Dieu t'a parlé de manière claire, là tu as le droit de dire, je n'obéis pas. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. En fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en désobéissant à tes parents, et d'ailleurs, quand il dit enfants, obéissez à vos parents, une des marques de l'obéissance des enfants aux parents consiste à demander l'autorisation parentale. Avant de faire certaines choses, tu ne rentres pas comme tu veux, tu ne sors pas comme tu veux, tu ne rentres pas à l'heure que tu veux. Et là, tous les parents ont envie de dire amen. Pourquoi? Parce que là, ça t'arrange. Justement, pasteur, avec cet enfant-là, j'ai vraiment des problèmes. Il ne comprend rien. Je lui dis, rentre à 18h, lui, il rentre à 20h. Tu ne rentres pas à 20h. Chez moi, quand tu rentrais à 20h, alors le papa a dit 18h, il t'attendait au portail. Il t'attendait avec la règle, avec les, tu sais, un truc en aluminium, en fer, là. Tends la main. Tu fais comme ça, là. Et puis, on campe. Bah! Ça nous a délivrés à l'époque de la folie. Mais bon, en Occident, il faut faire attention, sinon... Alléluia. Ce que tu ne comprends pas, il dit toute autorité a été instituée de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire obéir à Dieu, c'est uniquement en Dieu et toi. Non. Tu ne peux pas dire ça. Parce que obéir à Dieu, tu es obligé d'admettre que obéir à Dieu, c'est obéir à tes parents. Parce que ce sont des autorités qu'il a placées sur toi et qui vont rendre compte pour toi. Obéir à tes conducteurs,
C'est pour ça que si on arrive, on te dit, mets pantalon rouge, chemise blanche. Non, pantalon rouge, chaussettes jaunes, chemise verte. Tous les chantres, dimanche. Dieu dit, obéissez. Non, non, tu n'as pas bien lu, hein? Moi je vais lire. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes, sur votre âme. Quoi? En quoi ils veillent sur mon âme en me demandant de porter une tenue multicolore? Obéis. C'est pas moi. C'est Dieu qui dit. Par sa parole. Pourquoi? Voilà ce qu'il m'a expliqué. En désobéissant à tes parents, en désobéissant à tes maîtres, à tes employeurs, en désobéissant à tes pasteurs, il me montrait qu'en fait, tu ne te rends pas compte, tu es en train de désobéir à Dieu. En désobéissant à une autorité établie, ce qui me montrait, c'est que tu es en train de quitter la couverture, tu es en train de quitter l'autorité sous laquelle tu avais été placé. Et en sortant de l'autorité, parce que tant que tu es sous l'autorité de cet homme, parce que quand tu obéis, rappelle-toi, tu te mets sous l'autorité. Dis amen. En fait, obéir est une manière de reconnaître l'autorité. Et il me disait, quand tu désobéis à l'autorité établie, tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir de cette autorité. Et il me disait que ce que tu ne comprends pas, c'est que tu obéis toujours, à la fin, à un esprit. En fait, quand l'enfant obéit à ses parents, il est sous le pouvoir de Dieu. Parce qu'en fait, en obéissant à tes parents, en obéissant à tes conducteurs, en obéissant à ton employeur, il m'a dit, quelle que soit la manière dont cet employeur te maltraite, ce n'est pas ça qui peut empêcher Dieu d'accomplir les projets qu'il a formés sur ta vie. Tant que tu obéis, même quand le caractère est difficile de cette personne, même quand il te maltraite, tant que tu obéis, Dieu a toujours sa main, son pouvoir, son autorité sur ta vie. Il me dit, dès que tu désobéis à l'autorité établi par Dieu lui-même, c'est un système que Dieu a mis en place. Le principe des autorités. Dès que tu désobéis, tu n'es plus sous mon pouvoir. Tu passes automatiquement de la nature à rien de vide. Si ce n'est pas à moi que tu obéis. C'est pour ça qu'il dit, soumettez-vous, obéissez. Tu vois, c'est pour ça que dans Colossiens 3, verset 22, il dit, obéissez en tout temps, pas seulement sous leurs yeux comme le ferait, pas juste pour faire la comédie, hein, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tu le fais par motif de conscience envers Dieu, parce que quand tu obéis, tu es sous, c'est Dieu qui a le pouvoir de conduire ta destinée, ton futur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et il me disait que dès que tu désobéis à tes parents, à tes conducteurs, tant que tu étais obéissant à eux, quel que soit leur caractère, tu étais sous mon autorité, tu étais sous mon pouvoir. Dès que tu désobéis, tu passes, si tu désobéis à une autorité que Dieu a établie, si tu ne passes pas sous l'autorité d'une autre personne que Dieu a établie aussi, est-ce que quelqu'un me suit? Tu deviens électron libre. Mais il m'a dit, en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que si tu désobéis, ça commence avec les parents, à tes parents d'abord. Quand tu étais mineur, ou si tu es mineur, quand tu désobéis à tes parents, tu quittes l'autorité de Dieu. Et automatiquement, tu te places sous l'autorité d'un démon qu'on appelle l'esprit de rébellion, l'esprit d'insubordination, l'esprit d'insoumission ou encore l'esprit de révolte. Il me disait pourquoi? Parce que la vérité, c'est que tu es toujours obéissant à un esprit. Wow. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi,
Dis la parole, dis la parole. Quand Dieu te, nous dit d'obéir aux parents, moi-même je ne savais pas. Il m'a dit obéis, obéis. Même si on te dit fais la vaisselle tous les jours. Balaye ici tous les jours. Et j'ai été recruté pour un travail de manager et puis on me dit de nettoyer. Ah, mais je n'obéis pas. Il m'a dit non, obéis. On ne t'a pas dit de désobéir à Dieu. Obéis, même si le gars est bizarre, obéis. Pourquoi? Il m'a dit, parce que tant que tu obéis, tu respectes ma parole. J'ai dit que toute autorité a été instituée de Dieu. Celui qui résiste, celui qui s'oppose à l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Cet homme-là va s'attirer une condamnation contre lui-même. Amen. Amen. Et il m'a dit, quand tu désobéis à une autorité établie, tu enlèves le pouvoir à cette autorité établie. Tu enlèves la couverture que j'avais mise sur ta vie à travers cette personne. Et dès que tu sors de l'autorité de cette personne qui est une autorité établie, tu sors de mon pouvoir ou de mon autorité. Et automatiquement, c'est un autre esprit, appelé l'esprit de révolte, de rébellion, qui a maintenant autorité sur ta vie, c'est-à-dire qui est maintenant ton Seigneur. Et il m'a dit, lorsque l'esprit d'insoumission ou de rébellion, lorsque cet esprit-là a autorité ou a le pouvoir parce que tu as désobéi à Dieu, il m'a dit, cet esprit va faire de toi une personne qui sera un scandale. C'est-à-dire, où que tu ailles, quand tu as ouvert la porte à l'esprit d'insubordination, l'esprit de rébellion, l'esprit de révolte, cet esprit-là va faire de toi une personne qui aura toujours du mal à te soumettre aux autorités. En fait, tu vas partout où tu vas aller dans une entreprise, déjà même dans ta famille, tu vas toujours être celui qui va créer des problèmes et susciter des révoltes. Tu vas toujours faire partie des gens qui contestent, des gens qui s'opposent, des gens qui prennent des pancartes, des gens. Tu feras ça dans ta famille. Tu feras ça dans ton entreprise. Tu vas toujours naturellement être attiré par la contestation. Et en fait, la vérité, c'est quoi? Tu ne sais même pas pourquoi tu es comme ça. Tu ne sais pas. Mais dès que tu arrives quelque part, là où tout le monde était uni, quand toi tu vas arriver, tu vas commencer à faire des remarques, des observations. Non, 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 non. Un esprit de contestation systématique. Soit tu es le leader de la contestation, soit tu es un pilier à l'intérieur du groupe des contestataires et des réfractaires et des rebelles et des gens qui se rebellent et qui se révoltent. Et tu auras toujours du mal avec la notion d'autorité. Quand on va dire obéissez, tu vas dire ouais, on veut nous. Voilà. Et tu vas toujours voir les failles, les défaillances et les manquements. Parce que toi, tu vas dire, je ne me soumets pas à des gens qui ne sont pas carrés, intègres. Dès que tu vas comme ça, ah non, non, moi je ne me soumets plus. Mais tu n'as pas compris, Dieu ne te demande pas d'obéir, de te soumettre et d'obéir aux gens qui sont bien. Il te demande de te soumettre et d'obéir parce que Dieu veut protéger ta destinée. Quand l'esprit de révolte, de contestation, de rébellion est entré et le Saint-Esprit m'a dit, tout ça, ça se passe dans l'enfance. Ce n'est pas à l'église que les gens qui sèment la pagaille ont commencé. C'est ni à l'église ni à l'entreprise. C'est dans leur enfance. Quand papa a dit, tu rentres à 18h, non! Tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu ne savais pas. Mais en fait, quand Dieu dit obéis, obéis. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand cet esprit de rébellion, d'insubordination, de contestation, quand il a le pouvoir, quand il a autorité dans ta vie, il va t'emmener là où les gens étaient unis, toi tu vas venir les diviser. Tu vas être un partisan, tu vas toujours faire partie de la troupe qui causent des divisions, des déchirements. Tu vois, toutes les personnes qui causent les divisions, qui séparent les gens, qui contestent, qui sont des réfractaires, des contestataires, tu l'étais dans ta famille, tu le seras dans l'entreprise, tu le seras dans l'église, tu le seras dans la rue,
tu le seras dans la société. En fait, tu es croyant, Jésus est ton sauveur, mais ton Seigneur, c'est l'esprit de rébellion. Wow. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Cet esprit de rébellion est entré où? Depuis l'enfance. Quand ton père ou ta mère parlait, comme tu fais 1m90, tu as 13 ans, tu fais 1m90, maman parle, tu rentres à 18h. Non, maman. Et tu dis, je rentre quand je veux. Quand tu as fait ça, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tant que tu obéissais à ta mère ou à ton père, Dieu avait autorité sur ta vie. Même si ta mère était méchante, même si ton père était mauvais, Dieu avait autorité sur ta vie. Le jour où tu dis non, je fais ce que je veux, tu ne fais pas ce que tu veux, l'esprit de Dieu qui avait sa main sur ta vie n'a plus sa main sur ta vie. C'est un esprit de rébellion maintenant qui entre et qui a autorité. Autorité de quoi? Autorité de provoquer des événements, des projets, de manifester sa volonté, ses projets. Et le Saint-Esprit m'a dit, le jour où toi aussi, tu construis une œuvre, c'est-à-dire une entreprise, tu construis une famille, tu construis un foyer, tu construis une carrière, tu construis un ministère, même un département ou même une église, tu seras surpris de constater que cette œuvre que tu vas construire ne sera jamais affermie, elle ne sera jamais solide, elle ne sera jamais stable, elle ne sera jamais pérenne. Pourquoi? Parce que lorsque l'esprit de rébellion, lorsque l'esprit de contestation, lorsque l'esprit de révolte a une emprise, lorsqu'il a le pouvoir sur ta vie, le même esprit qui t'a utilisé pour renverser, c'est-à-dire que tu as renversé les familles, renversé les entreprises, renversé les églises, le même esprit va renverser également tout ce que toi tu vas faire. Pourquoi? Parce que sa nature, on l'appelle l'esprit de rébellion, l'esprit de contestation. Sa nature, c'est de semer le chaos, de diviser, de faire des coups d'État. Ce qui est tragique, quand le Saint-Esprit me parlait de ça, je pensais à tous les pasteurs, toutes les églises qui naissent au bout de 1-2 ans. Chaque fois qu'une église naît avec une personne qui a dit « À moi !» Bon, il a dit « À moi ceux qui sont à l'éternel », mais en fait, ce n'était pas ça. « À moi !» ceux qui veulent défier ce pasteur et qui disent non à cet homme de Dieu. Quand tu te lèves dans l'église, dans l'entreprise, dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui va dire « À moi !» ceux qui sont avec moi, venez. Il y en a assez de cette manière de faire. Il y en a assez de la maltraitance. Il y en a assez de l'abus. Il y en a assez qu'on nous donne des ordres. Levons-nous. Le gars qui fait ça, il va se lever, il va aller faire son entreprise, fonder sa famille. Mais en fait, il ne sait pas que l'esprit qu'il a animé là, l'esprit de révolte, l'a utilisé pour détruire, pour diviser l'œuvre des autres. Affaiblir. Le même esprit un jour va se retourner contre toi pour diviser, détruire, renverser ta famille, ton mariage, tes entreprises, ton ministère. Et je le vois tout le temps. Tout le temps. Waouh! Parce que la révolte, c'est sa nature. Et alors, du coup, un jour, tes enfants se lèvent et te combattent. Comment vous pouvez me combattre? Je suis votre père. Le problème, c'est que toi, tu as fait ça aussi avec ton père et ta mère. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Les collègues qui étaient avec toi aujourd'hui vont finir par te combattre. Si tu as créé une église, les fidèles qui t'ont rejoint un jour, toi tu avais créé dans l'église, pas ICC au nom de Jésus. Tu avais créé le syndicat des protestataires et des contestataires contre telle manière de faire ou contre. Tu as créé un syndicat. Et bizarrement, vous allez voir, hein, le genre de personnes là, animées de cet esprit-là, dès qu'ils arrivent dans une entreprise, ils sont naturellement attirés comme un aimant vers tous les contestataires dans l'entreprise. Leur premier truc, c'est rejoindre les syndicats. Je suis venu comme un renfort pour renforcer notre voix, notre contestation. Ensemble, on va ébranler l'entreprise. Yeah. Ça vient d'où? Écoute-moi, ceux qui font ça ne savent pas pourquoi ils font ça. Ils entendent des voix. Allez, oh,
non, 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 pas ça, non, non. Mais en fait, le Saint-Esprit m'a dit de te dire, c'est un démon. Mais il est rentré depuis ton enfance. Quand tu as dit à tes parents, non, la main de Dieu a quitté, tu l'as enlevé. L'esprit de rébellion a pris le pouvoir. Waouh! Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, c'est que, un, il va faire de toi un scandale. Tu vas toujours être la personne qui va diviser là où il y avait la paix, il y avait l'unité. Deux, non seulement il va t'utiliser pour renverser ce que les gens font, mais quand il aura fini avec les gens, dès que toi tu vas faire, au bout d'un certain temps, il va renverser aussi. Et vous savez, c'est par peur, c'est ce qu'il me montrait, c'est par peur de moissonner la révolte qu'ils ont eux-mêmes semé chez les autres que les gens finissent par devenir des dictateurs. Le Saint-Esprit m'a dit, en fait, la dictateur est motivée par la peur de voir l'esprit de révolte qui les a conduits à détruire ce que les autres faisaient, détruire ce qu'ils font eux aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? La dictature ou les tyrans ou les dictateurs sont des personnes qui ont peur de récolter ce qu'ils ont semé. Parce qu'une chose est sûre, c'est que ce que tu as semé, tu vas récolter. Maintenant, quand ils ne veulent pas récolter ce qu'ils ont semé, tu vas remarquer que tous les chefs d'État qui ont pris le pouvoir par un coup d'État craignent toujours d'être renversés par un coup d'État. Et qu'est-ce qu'ils font pour éviter d'être renversés par un coup d'État? Dès qu'ils prennent le pouvoir par coup d'État, ils mettent en place un régime sécuritaire grave pour ne pas que ce qu'ils ont fait finisse par leur arriver. Le problème, c'est que Jésus a dit, celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Tu as semé coup d'État, ça va te rattraper. Est-ce que quelqu'un me suit? Étudiez l'histoire. Vous allez vous rendre compte de ça. Waouh! Alors, quel est mon point? En fait, c'est de dire, voilà ce qu'il m'a expliqué. Lorsque Dieu te dit, obéis à ma parole, obéis-moi. Ce n'est pas parce que Dieu a un ego, Dieu est... Oh non, j'ai besoin. Non, ce n'est pas ça. En fait, quand Dieu te dit obéis-moi, obéis à ma parole, c'est pour empêcher un démon de prendre le pouvoir ou d'avoir la main sur ta vie et sur ton futur et sur le futur de ta postérité et enfanter des projets, des événements que Dieu ne désire pas. Quand il te dit obéis-moi, c'est pour empêcher Satan, c'est pour empêcher un démon de prendre le pouvoir à sa place à lui. Ouais. Donc, dis amen. Quand il te dit obéis aux autorités établies, c'est pas parce que les autorités sont des gens exemplaires, c'est parce qu'il veut te préserver, il veut préserver ton futur ou ta destinée de l'emprise, il veut empêcher l'esprit de rébellion, non seulement de détruire ton propre futur, mais d'aller également détruire ta postérité en implantant en eux le système de pensée de la rébellion. Pourquoi mes enfants sont rebelles? Ils n'écoutent pas quand je leur parle. Ils sont insoumis. Quand je parle, ils parlent. J'ose le ton, ils osent le ton plus que moi. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des enfants comme ça? Mon frère, ma soeur, repars dans ton passé. Repars dans ton histoire. Tu vas regarder. Observe bien. Wow. Quel silence. Allez. Quelqu'un dit amen. Quand Dieu te dit, soyez saint comme je suis saint, Dieu le fait, Dieu te le dit pour empêcher l'esprit d'impureté, d'immoralité sexuelle. Non seulement de saboter ton futur à toi, mais c'est pour empêcher l'esprit d'immoralité sexuelle de se déployer dans
tes entrailles, le fruit de tes entrailles. Et d'aller un enfant, il se lève, il vient au monde. Et puis bizarrement, quand il grandit, il a envie d'abuser sa soeur. Un, c'est l'inceste. Un autre, c'est le viol. Un autre, c'est l'homo sapiens. Un autre, il a envie de faire l'amour avec les bêtes. Un autre, hé! Et ils ont toutes sortes de... Tu as des enfants. Tu as des enfants. Mais ils sont remplis de perversité. David. David a quelques femmes et concubines. Salomon arrive. Il fait exponentiel. 700 femmes, 300 petits. Même moi, je n'étais pas arrivé là-bas. Il dit, papa, les enfants doivent aller au-delà. Il y a ma balle. Les enfants doivent faire mieux. Mais... quand il te dit, tu seras saint, car je suis saint, écoute-moi, je te promets une chose, tu n'as pas juste envie d'avoir des enfants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des enfants pour leur malheur. Les enfants sont censés être une bénédiction, une récompense. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas une récompense. Et j'ai découvert que la trajectoire des enfants peut être affectée par ton obéissance ou par ta désobéissance. Des luttes qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ils ont des pulsions qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? David a couché, un esprit s'est déployé. Il a dit, bon, lui, je manifeste par l'inceste. Lui, c'est le viol. Tu as envie d'avoir un enfant qui va en prison pour viol? Tu vas me dire, je suis une femme heureuse, une mère épanouie. Non, une mère ne peut pas être épanouie quand son enfant est en prison parce qu'il a violé. Quand Dieu te dit, aime ton prochain, aime, c'est parce que Dieu te préserve, toi et ta postérité, de l'esprit d'amertume. Parce que si l'esprit d'amertume entre dans ta lignée sanguine, si l'esprit d'amertume entre dans ta vie, il va te détruire toi. Mais toi encore, ça va, tu me diras, moi j'ai vécu. Mais les enfants, ils ont fait quoi? Quand l'esprit d'amertume entre dans tes enfants, l'esprit d'amertume a plusieurs racines. Il y a la colère, il y a l'agressivité, il y a la dépression, il y a l'agression. Tu as envie d'avoir des enfants dépressifs? Tu as envie d'avoir des enfants qui tuent? Ils tuent leur compagne, ils tuent les gens. Tu es fier d'avoir un enfant meurtrier? Personne. Mais est-ce que tu sais qu'on peut éviter ça? Comment? L'obéissance. Tu seras saint, car je suis saint. Et quand Dieu te dit ça, il présente. Quand il dit aime ton prochain, je n'ai pas dit parce qu'il fait du bien. Je t'ai dit aime-le. Pas d'amour, renonce à la haine, renonce à l'amour. Pourquoi? Parce que la haine va rentrer dans les liens, va rentrer dans ta postérité et va faire un carnage. Tu vas avoir des enfants, ils ont grandi, mais ils sont remplis de haine. Et je veux te dire une chose, ils vont toujours être pires que toi. Ils vont toujours amplifier ce que tu as été. Si tu as été bien, ils seront meilleurs. Si tu as été mauvais, ils seront pires. Dieu te dit, obéir, ce n'est pas pour lui. C'est pour préserver et ton futur et ta postérité. Tu n'as pas juste envie d'avoir des enfants, tu as envie d'avoir des enfants qui honorent Dieu. Saint-Esprit m'a dit, quand il te dit sème, quand il te dit donne, donnez vous sera donné. Mais il ne te dit pas ça. Là, tu vas dire, ouais, mais le pasteur, il parle trop d'argent. Mais tu n'as rien compris. Le pasteur ne parle pas de sa part. Le pasteur dit ce que la parole dit de dire. Il ne parle pas en son propre chef. Il s'appuie sur la parole. Et quand il te dit sème, pourquoi il te dit sème? Pourquoi il te dit donne? Pourquoi il en parle? Il en parle, il m'a dit, c'est parce que je veux éviter l'esprit de cupidité et l'esprit de pauvreté, d'avoir la main sur ton futur et sur celui de tes descendants, de faire de tes descendants des pauvres et des pingues, des pépés, pauvres et pingues, pauvres, pingues, pixou, trois pés. Je suis en train de protéger et toi et ta postérité. Quand je te dis obéis-moi, je protège ton avenir. Je veux garder le pouvoir, quel que soit ce qu'on t'a fait, quel que soit ce qu'on t'a enduré. Tant que tu obéis à ce que je te dis, j'ai ma main sur toi. Ce qui t'arrive, ton passé n'est pas capable de m'empêcher de manifester mes projets. Mais reste sous mon autorité, reste sous mon pouvoir, reste sous mon emprise. C'est de ça qu'il s'agit. Dis à ton voisin, obéis. Bien-aimé,
Satan connaît le pouvoir de l'obéissance. Il sait que tu peux prier comme tu veux, demander comme tu veux. Tant que tu n'obéis pas à Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, n'a pas le pouvoir de changer ta vie. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Il n'a pas le pouvoir parce que tu ne lui as pas donné le pouvoir. Tu ne lui as pas donné. Satan sait, il connaît le pouvoir de l'obéissance. Voilà pourquoi il va utiliser de toute sa séduction, ses ruses, ses stratagèmes, sa force de persuasion, en érigeant en toi des forteresses, des raisonnements, des systèmes de pensée, des voix qui vont te parler à l'intérieur pour te dire « Non, tu as le droit, non, tu as raison, on n'obéit pas, tu as raison de ne pas obéir, tu as raison. » Mais Dieu dit « Non, obéis-moi. » Mais des voix, tu vas être combattu quand tu voudras obéir. Tu ne connaissais pas Satan, tu vas connaître Satan. Si tu ne savais pas ce qu'on appelle une oppression, le jour où tu décides d'obéir, tu vas savoir ce qu'on appelle l'oppression. Toutes sortes de voix. D'abord, des personnes qui viennent te dissuader, te disent que ce n'est pas utile. Ensuite, toutes sortes de personnes. D'abord, des personnes, et puis ensuite, des voix qui vont te parler. Ouais, mais tu dis que tu veux obéir, mais regarde, les pasteurs, ils sont suspects. Tu as vu? Tu ne sais pas ce qu'ils font avec l'argent de l'église. Tu ne sais pas, regarde, tu connais. Toutes sortes de raisons. Qu'ils volent l'argent ou qu'ils ne volent pas l'argent. Toi, ta part, c'est obéir. Tu quittes une autorité, ne reste pas sans autorité. Parce que nous tous dans la vie, on doit rendre compte à quelqu'un. Le jour où tu dis, je ne rends plus compte à personne, c'est fini. L'esprit de rébellion dit, c'est ça, mon gars, rends compte à moi. Tu me serviras d'instrument parmi les nations pour aller démolir les œuvres, pas seulement de Dieu, mais les œuvres que les gens font. Et quand j'aurai fini avec les gens, je finirai aussi avec toi. C'est ma nature. Je suis l'esprit de rébellion, de révolte. Je saccage tout ce que les gens construisent. Satan connaît le pouvoir de l'obéissance. Voilà, après, il va susciter toutes sortes. Tu vas entendre des voix qui vont te dire, non, 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 non. Tu ne peux pas obéir à tes parents. Ils ne méritent pas. Mais il m'a dit de te dire, regarde David, les mêmes voix qui te parlent, quand tu as été maltraité par tes parents, quand tu as été bien traité, ce n'est pas compliqué d'obéir. Mais quand tu as été maltraité, c'est là que les voix disent, tu n'obéis pas. Il m'a dit, mais regarde David. David a été, on le sait, rejeté par ses parents, par son père. Sa mère, on ne sait pas où elle est passée. Mais comme ce n'était pas la mère légitime, il est dans l'impudicité, dans l'adultère. Donc sa mère, on ne sait pas où elle est passée. Mais son père, il habitait avec son père et ses frères. Rejeté par son père. On l'a oublié, tu connais l'histoire. Humilié, méprisé, rabaissé par ses frères. Mais ce qui m'a interpellé hier, il me montrait, regarde comment David, il a quand même été loin devant ses frères. Ce n'est pas que ses frères ne savaient pas qu'il était loin. Il a été loin, les sept premiers ont été recalés. Et quand il est venu, il a été loin devant son père et devant ses frères. En présence de tous. Et ce peuple d'Israël-là, qui connaissait l'histoire, savait ce que l'onction faisait. Ce peuple-là savait, cette famille savait que quand l'onction vient sur un homme, c'est pour le transformer en un autre homme. C'est pour manifester à travers lui des capacités surnaturelles. Donc ses frères et son père savaient que sur ce petit-là, tout ce qui va toucher, attention, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Avec une mâchoire, il est capable de massacrer des Philistins. Et justement, on entend dire qu'il y a guerre entre Israël et les Philistins. Mais pour son père et pour ses frères, mais d'abord son propre papa. Gars, tu as vu ton fils être loin comme futur roi d'Israël. Tu as entendu les paroles. L'Esprit du Seigneur l'a saisi. Tu es au courant. Hier, il était à la bergerie. Tu ne le calculais pas. Mais vous savez ce qui s'est passé dès qu'il a été loin? Son propre père l'a renvoyé à la bergerie. Mais papa, je peux faire plus que ça maintenant. Ça y est, Dieu m'a oint. Le Saint-Esprit est sur moi, papa. L'onction est sur moi. Quelque chose que tu me demandes, je peux le faire. Non, petit, c'est bon. Repars t'occuper des vieilles brebis qui font baie. Mais papa, je peux faire plus que ça. Je peux faire plus. Non, non, non. Repars. Derrière la bergerie. Moi, je crois que s'il y avait les services sociaux à l'époque, ils seraient arrivés chez David, chez Isaïe. On aurait retiré David de la famille d'Isaïe, on l'aurait placé en famille d'accueil. Parce qu'il est maltraité.
n'y a que deux choses auxquelles il pense, qu'il pense à David. La première chose, c'est repas, soigner les brebis. Mais il est loin. On parle d'un combat là-bas, Israël contre les Philistins. Laisse-moi y aller. Petit repas. Et quand on pense, la deuxième chose pour laquelle on pense à lui, c'est quand il faut faire la course. Va apporter à manger chez tes frères. Papa, je peux faire plus que ça. Le Saint-Esprit est sur moi. Je peux faire plus que ça. Petit, repars là-bas et tu bouges quand je te dis de bouger. David aurait pu se rébeller. David aurait pu dire, il y en a marre. La dernière fois, on m'a oublié. Et quand on pense à moi, c'est pour faire le sale boulot. Toujours pour faire les courses inutiles, les basses besognes. Il y en a assez, papa. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Vas-y. David aurait pu faire ça. Mais regarde ce qu'il a fait. 1 Samuel, je finis. Samuel, chapitre 1 Samuel, chapitre 17, verset 20. La Bible dit, David, après que son père lui ait confié la mission d'aller apporter à manger à ses frères, la Bible dit, David se leva de bon matin. Non, il ne s'est pas levé en retard. Il s'est levé de bon matin. Il y a ton voisin. Il aurait dit, David, tu fais quoi? Je t'ai dit d'aller apporter à manger à tes... J'ai pas vu l'heure. Non, David, non. Il s'est levé en avance. Il s'est levé de bon matin. Il a laissé les brebis à un gardien. Il n'a pas dit à son père, bon, tu trouves quelqu'un. Non. C'est lui qui a trouvé le gardien. Il a laissé les brebis à un gardien. Ensuite, il a pris sa charge et il partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lui aussi, il a connu ce que c'est que la maltraitance. Lui aussi, il a été tenté comme toi et moi dans les mêmes pensées. Les pensées de ras-le-bol, les pensées de « il y en a assez », les pensées de ce que c'est de l'humiliation, c'est de la maltraitance, c'est de la négligence parentale. Il y en a assez. Mais Dieu lui disait « David, obéis !» Et David partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Et le Saint-Esprit m'a dit, quand il a fait ça, malgré les mauvais traitements, il m'a permis de garder la main, le contrôle sur sa destinée. Et en obéissant, malgré le fait qu'il n'avait pas envie d'obéir, en obéissant, l'esprit de rébellion, c'est le premier esprit qui vient tenter les personnes qui subissent des maltraitances, des mauvais traitements. C'est l'esprit qui vient, dès qu'ils ne sont pas contents, c'est l'esprit qui vient frapper à la porte. Est-ce que je peux rentrer? Tu as besoin de moi là, parce que là, il faut que ça change, il faut que ça change. Ça ne change pas maintenant, on casse la baraque, mon gars, on y va. Contestation, tout de suite. L'esprit de rébellion frappait à la porte de son cœur. Toc, toc, toc. Mais quand David a obéi, quelle grâce qu'il a eue. Il n'avait même pas le Saint-Esprit en lui, mais il a juste obéi, il a soupiré, mais il y est allé. Il a été obéissant, docile. L'esprit de rébellion a échoué dans sa mission de contrôler sa vie. Et je vais te dire, je suis en train d'atterrir. Je vais te dire, pourquoi la rébellion de Absalom, son fils, n'a pas réussi. Et là, il m'a dit, c'était impossible que David récolte une révolte, un coup d'État, parce qu'il n'a jamais fait de coup d'État contre ses parents. Vous pouvez pas. Bien-aimé, je ne peux pas prédire de quoi demain sera fait. Mais je sais une chose. Quand je fais ma part par l'obéissance, la main de Dieu est sur moi. La main de Dieu est sur ma postérité. Mon obéissance protège ma postérité. Mon obéissance protège ma vie. Mon obéissance protège ma destinée. Mon obéissance écarte les démons. Ça ne veut pas dire qu'ils ne tenteront pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'oppresseront pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer. Mais je sais une chose. Mon obéissance a tracé un chemin pour ma postérité. Voilà pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, pas moi, moi et ma maison, nous servirons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentation. Ça ne veut pas dire que les enfants ne seront pas exposés aux séductions de ce monde. Mais la fin de l'histoire, c'est que moi et ma maison, nous reconnaîtrons Jésus comme Seigneur. Nous servirons l'Éternel. Oh, quelqu'un me dit amen. Satan connaît le pouvoir de l'obéissance. Voilà pourquoi il va tout faire. Si je n'ai pas pu t'empêcher de naître de nouveau, prends ce message, jette-le à la poubelle. Continue de désobéir à ce Dieu-là. Je n'ai pas pu t'empêcher d'aller au ciel, mais je peux faire de ta vie un enfer sur la terre, en planifiant dans ta vie des agendas,
des événements, mes projets de malheur, je peux les accomplir. Oh, je t'en supplie, laisse-moi te convaincre. Désobéis à Dieu. C'est ce que la voix du tentateur est en train de te dire. Le Saint-Esprit te dit, donne-moi le pouvoir de changer ta vie, de la rendre meilleure, de changer la trajectoire. En sortant d'ici, aujourd'hui, il m'a dit de te dire, tu vas aller, un, on va prier, tu vas demander pardon à Dieu. Deux, tu vas aller demander pardon à toutes les personnes pour lesquelles tu as été un instrument pour saboter, détruire la famille, l'entreprise. Tu vas appeler tes anciens employeurs. Là où tu étais un contestataire, un rebelle, un protestataire, va demander pardon. Démine, va demander pardon. Les églises d'où tu es sorti, si tu es parti avec la contestation, il ne s'agit pas de retourner parce que ce qui est important pour toi, c'est d'être sous l'autorité. Mais va demander pardon. Il ne s'agit pas que ton pardon soit accepté. Il s'agit pour toi de faire ta part. Va demander pardon. Et quand tu vas demander pardon, alors, c'est ça qu'on appelle la réparation. La miséricorde de Dieu va travailler dans ta vie. Et la miséricorde, les compassions de Dieu vont abonder et te relever. Et ceux qui avaient une emprise dans ta vie, qui avaient semé des mauvaises graines, je te l'ai dit, ces mauvaises graines, ces semences de désobéissance seront totalement... Là où Satan voulait créer une grave blessure, ça sera juste une éraflure. Ça ne te détruira pas. La miséricorde parlera. Incline la tête avec moi. Je m'humilie devant le Seigneur. 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 Encore et
dis-le avec moi, je m'humilie. Je m'humilie devant le Seigneur. Je m'humilie. Je m'humilie. Je m'humilie devant le Seigneur. Je m'humilie. Pardonne ma folie. Pardonne ma désobéissance envers mes parents. Je Je ne savais pas, je n'étais pas conscient. Pardonne ma désobéissance à l'autorité établie, à mon père, à ma mère, quand j'étais adolescent. Pardonne ma désobéissance à mon employeur, à mes pasteurs. Pardonne ma folie, je m'humilie, je m'humilie. Je prends des compassions, je m'humilie. Pardonne ma folie, père. Ah, les mauvaises craintes de désobéissance. Pardon pour là où je me suis souillé avant le mariage. Pardon, là où j'ai ouvert la porte, j'ai donné le pouvoir à un esprit d'impudicité, un esprit de colère, un esprit de haine, un esprit d'amertume. J'ai livré ma vie, j'ai livré ma famille, j'ai livré mes enfants, j'ai livré ma postérité. Mais je m'humilie ce soir. Je te prie, ah, tu ne te lasses point de pardonner. Je dis dans ta parole, cette fois le juste tombe, le Seigneur le relève. Je m'humilie, pardonne et compassion, pardonne les souillures, pardonne les fautes de mon passé que je n'ai pas réparées. Je n'étais pas conscient de la gravité de la désobéissance aux parents. Ça a commencé avec mes parents. L'esprit de révolte est rentré là. Et maintenant, tout ce que je fais semble échouer. Mon travail, moi, que des problèmes. Foyer, travail, église, que de querelles, de rivalités, de divisions, de déchirements. C'est le fruit de mes semences. C'est le fruit de ma désobéissance. Je m'humilie, mais je m'humilie, mais je m'humilie, mais je m'humilie. Ah, Yarabara Shakarama. Je ne crois pas que toi qui es l'air stoïque, qui es l'air froid, tu ne sois pas concerné. Si aujourd'hui tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Demande pardon à Dieu, humilions-nous, humilie-toi. Ah, je me humilie, Père. Pardonne ma folie. J'irai réparer auprès de mes parents, auprès de mon employeur, auprès de mes pasteurs. Je demanderai pardon pour la désobéissance et les autorités déléguées que les pasteurs ont établies, à qui tu as manqué de respect, à qui tu as désobéi. Tu ne comprenais pas. Tu essaies de protéger ta vie de l'esprit de rébellion. Mais je m'humilie. Sera encore et il m'exaucera encore et il m'exaucera. Fois le juste tombe et tu le relèves. Tu tu ne contestes pas toujours. Lorsque tombe en défaillance devant toi, les âmes que tu as fait, tu te souviens que je ne suis rien. Je n'ai pas le pouvoir, j'ai la volonté, mais je te donne le pouvoir. Je reviens à l'obéissance. Quand tu parleras, je me mettrai au garde à vous. Même si mon âme n'aime pas ça, je renverse les raisonnements, les hauteurs, les forteresses, les systèmes de pensée qui se dressent contre la connaissance de Dieu et qui me donnent envie d'obéir. Je les renverse. Système de pensée, de l'impunicité, de la révolte, de l'amertume, de la haine, de l'amertume. Je les renverse au nom de Jésus. Je me soumets, je me soumets, je me soumets et j'obéis. Encore et encore. Et tu m'exauces. Encore et encore.
Qui disait non, tu dois désobéir, tu dois désobéir, tu dois désobéir. Que ces forteresses qui assiègent ton âme soient brisées. Chaque alamaya, talamasaya. Mets la main sur ton cœur, mets la main sur ton cœur. De toutes les voix qui vont essayer de te dissuader, d'obéir, sois renversée. Qu'elles soient ébranlées. Que tous les assiégeurs de ton âme soient dispersés. Au nom de Jésus, la main du Seigneur est sur toi. Shayaveka Mabaya. Il vient te sauver. Il vient sauver ton âme. Il vient sauver ta vie. Sauver ta destinée. Sauver ta santé. Sauver ton futur. Sauver ton héritage. Sauver ta postérité. Au nom de Jésus. Shayaveka Mabaya. Lève la main si tu le peux. Encore. Et tu. Et tu me sauveras. Tu nous sauves définitivement de la folie, du mensonge de Satan, des démons. Réveille l'armée des adorateurs, réveille l'armée des sacrificateurs, réveille l'armée des obéissants, réveille l'armée des disciples, réveille l'armée des scellés, réveille l'armée des amoureux, réveille l'armée des passionnés, réveille, réveille, envoie le feu, je déclare et je décrète, tout ce qui assiège ta force, ton cœur, la dépression, la peur, la colère, la rébellion, l'impudicité, la pornographie, l'orgueil, que ces forteresses soient ébranlées, reçois ce feu, au nom de Jésus. La main du Seigneur est dans la place. Il est là dans la place. Sa miséricorde va agir. Le Saint-Esprit revient prendre le pouvoir. Donne-lui le pouvoir. Décide d'obéir. Dis au revoir au péché. Dis au revoir à la désobéissance. Dis au revoir. Dis au revoir à l'esprit de rébellion. L'esprit d'insulte. C'est la rébellion qui te pousse à injurier. C'est de la folie. C'est du suicide. Dis-lui au revoir. Hey, tu me sauveras. Chaya la 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 la. Chele kababaya. Les sokada. Haya. Aye le babaya la la. Feu de Dieu. Circule dans les rangées. Circule sur internet. Feu de Dieu, que tout ce qui assiégeait, tout ce qui saisissait ce cœur, cette amertume que tu as magasinée, cette colère, cette rébellion, cette jalousie, cette impunicité, cette tendance à calomnier, au nom de Jésus, si tu as décidé d'obéir, je commande ces forteresses qui s'appesantissaient, qui étaient érigées dans ton cœur, soient renversées. Renversé. Au nom de Jésus, reçois un nouveau cœur, reçois un nouveau zèle, la joie de ton salut. Saya la 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 ya, chelé la ba. Il y a un feu dans cet endroit. Il y a un feu dans cet endroit. Il y a un feu à travers l'internet. Il y a un feu au son de ma voix. Le bras du méchant qui te poussait, qui contrôlait ton âme, est brisé. Tu reçois un cœur pur, tu reçois un cœur doux, tu reçois un cœur apaisé, tu reçois un cœur d'amour.
l'amour et la miséricorde de Dieu va réussir dans ta vie. Elle va accomplir sa mission. Il relève ta vie. Il te donne une nouvelle vie, une nouvelle histoire, une nouvelle trajectoire. Chayarara, encore et encore. Renverse les forteresses. Esprit de rébellion, sors de ses cœurs, sors de ses vies. Dégage, va dans les lieux arides. On te cherchera, un vaccin chrétien. On te cherchera dans la vie de ma soeur. On ne te trouvera plus. On trouvera l'esprit d'obéissance, l'esprit d'humilité, l'esprit de consécration, l'esprit de docilité. Au nom de Jésus, tu n'entreras pas dans nos vies. Tu ne rentreras pas dans mes enfants. Tu ne rentreras pas dans ma postérité. Tu sors maintenant. La main du Seigneur se pose sur ta famille, sur ta postérité. Encore et encore, et tu descendras. Encore et encore, et tu exauceras encore et encore, et tu exauceras. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur corrige la trajectoire de ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur te donne un nouveau cœur. Aujourd'hui, toutes les forteresses qui s'étaient assises dans ton âme, parce que tu avais été piégé, sont renversées au nom de Jésus. Aujourd'hui, tes pensées sont ramenées captives, prisonnières à l'obéissance à Christ. Aujourd'hui, tu acceptes d'obéir à tes parents si tu es mineur. Obéis, tu acceptes d'obéir. Aujourd'hui, tu acceptes d'obéir aux autorités établies. Tu obéis, tu te soumets, parce que tu chasses l'esprit de rébellion loin de ta vie et de ton histoire. Et tu laisses la main du Seigneur sur ta vie. Au nom de Jésus. Une personne ici a entendu cette parole et dit: Pasteur Ivan, je veux déjà commencer par le commencement. Avant même que Jésus soit mon sauveur, mon Seigneur, il faut déjà qu'il soit mon sauveur. C'est ce qu'il veut être dans ta vie. Mais il y a quelqu'un qui dit: Jésus n'est même pas encore mon sauveur. Je prie, mais je ne le connais pas. Je n'ai pas de relation personnelle avec lui. Je veux rentrer dans cette relation personnelle avec Jésus. Pasteur Ivan, prie pour moi. Priez pour moi. Nous voulons prier pour toi. Je te demande, si tu n'as pas fait encore ce pas, sache une chose, la désobéissance signifie que Satan a un pouvoir dans ta vie. Il a la main, il a l'emprise. Tu dis: je ne veux plus de cette main. Si tu ne veux plus de cette main, tu n'as pas d'autre choix que de donner à Jésus le pouvoir. Invite-le dans ta vie. Fais de lui ton sauveur. Mais ne t'arrête pas là. Décide qu'il devient ton Seigneur. La même journée, à la fois sauveur et à la fois Seigneur. Qui veut lever la main et qui n'a jamais fait, qui n'a jamais répondu à un tel appel, et dit: je veux que Jésus soit mon sauveur et mon Seigneur. J'étais religieux, j'allais à la messe, mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. La Bible dit: à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il faut que Jésus, la parole, te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut que tu répondes à cette invitation personnelle. Avant de prier, il faut que tu reçoives Jésus. Lève la main si tel est ton cas. Bien haut, bien haut, bien haut. Tu veux accepter Jésus dans ta vie. Tu dis: je veux revenir à la maison, je suis comme l'enfant prodigue. Je vais venir, revenir à la maison. Fais une deuxième chose. Viens devant. Si tu es venu avec des gens, laisse-leur tes affaires. Rapidement, rapidement. Viens devant, nous allons prier. Et sur internet, il te suffit de cliquer sur le bouton. Clique sur le bouton pour répondre à l'appel au salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le moment favorable. Il a dit: si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il veut te sauver de l'emprise du malin. Quel que soit ce qui avait tenu ta vie, il veut te faire marcher en nouveauté de vie.
et te donner un nouveau départ. Acclame, acclame, acclame pour ces bien-aimés qui n'ont pas eu honte de lui et qui ont décidé de venir devant, de prêter allégeance à l'agneau de Dieu. Qui ont compris que Dieu a compassion. Je refuse de laisser à Satan le pouvoir sur ma vie. Jésus, prend le pouvoir, corrige la trajectoire de ma vie. Montre qu'une vie mal commencée peut bien finir. On acclame, ils viennent encore, ils viennent encore, ils viennent encore. Ils viennent encore, on acclame, on acclame, on acclame. Il est celui qui t'exauce, il est celui qui te relève, il est celui qui te sauve. Encore, encore, et encore. Et tu m'exauces. Il est celui qui t'exauce. Il est celui qui a entendu ton cri et qui vient briser l'emprise de Satan sur ta vie. Il veut te donner un nouveau départ. Shayaraka Rabela. On peut acclamer le Seigneur. Wow. Bien-aimé, la décision que vous avez prise de répondre à cet appel sur Internet et ici est la décision la première, la plus importante de votre vie. C'est la décision qui détermine le passage de la lumière, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est une prière par laquelle, une simple prière par laquelle on donne le pouvoir à Jésus. De faire le bien, de manifester le bien, de manifester, de corriger la trajectoire de votre vie. Il y a 36 personnes qui ont répondu à cet appel sur Internet. Wow. Église, tendons la main vers eux et je vais vous demander de répéter avec moi une simple prière de foi. Allez, tendez la main si vous le pouvez, au moins une main. Dites avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Je te demande pardon. Pour la folie de la désobéissance. Pour m'être séparé de toi. Pour avoir donné, sans le savoir, le pouvoir à Satan. Mais aujourd'hui, je t'invite. Viens dans ma vie. Sois mon sauveur. Et sois mon Seigneur. Prends le pouvoir. J'accepte de t'obéir au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur la base de cette prière que je suis désormais enfant de Dieu et Jésus-Christ est désormais mon sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen. Bien-aimés, ce que nous allons faire, ce que vous venez de faire, ça s'appelle la prière du salut. On l'a tous fait un jour. Et depuis ce jour-là, à partir d'aujourd'hui, ce qui s'est passé, par cette simple parole, le Saint-Esprit est venu en vous. Vous allez ressentir une présence. Il y en a qui vont la sentir, il y en a qui ne vont pas la ressentir. Mais je te garantis que tu vas la ressentir. Le Saint-Esprit est venu en toi. On va t'expliquer ce qui s'est passé. On va te prendre par la main, comme on nous a pris par la main. Et nous conduire sur le chemin de l'obéissance. Alléluia. Est-ce que vous pouvez suivre les conseillers qui sont sur ma gauche? On va vous recevoir juste 5 minutes et vous allez pouvoir revenir dans la salle. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça, 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 mieux que ça. Amen. Parole, pour l'excellence de sa parole, acclamons notre Dieu. Merci.
sommes quasiment arrivés au terme de notre célébration et nous prenons congé de notre famille internaute et nous vous disons à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Alors avant de clôturer ces instants, nous aimons à Impact Centre Chrétien.